Le champion du monde au cheval d'Arçon, Valérie Belenki. Alors Valérie Belenki qui travaille beaucoup d'un bras, sur un bras. Beaucoup sur un bras, qui fait un passage aussi à la terre dans sa combinaison. Là, une combinaison donc sur un arçon, suivi du transport Maillard. Une autre combinaison sur un arçon, transport en bout du cheval. Il revient au milieu où là, il fait son passage à l'équilibre et enchaîne sur un arçon. Ah, il y a bloqué, le champion du monde est battu. C'était la partie risquée, c'était l'originalité aussi de son mouvement, ce qu'il avait fait gagner. Et bien voilà comment un garçon qui a survolé cet exercice à Indianapolis est battu sur un blocage en pleine exécution. C'est dommage, mais maintenant le titre ne va pas échapper aux Asiatiques. Ça prouve aussi la difficulté de cet agrès où il faut maîtriser l'équilibre. Et ça paraissait presque facile à ce niveau, tout au moins quand on arrive en finale des championnats du monde. Voilà. Alors on revoit sa chute. C'est fou, hein.